Bientôt la rentrée des classes et les parents sont déjà sur pied pour trouver les fournitures scolaires pour leurs enfants. Cette année, ce ne sont pas seulement les prix des produits de première nécessité qui ont connu une hausse, mais aussi les livres et les cahiers. Pour comprendre les raisons de cette hausse des prix, nous avons sillonné quelques librairies de la capitale. Cette année, là, sont augmentés. Le carton, là, ça fait. Et avant, là, le carton, là, on payait ça à 22 000. Et maintenant, on paye ça à 25 000. Tout est augmenté. Le livre de concours là, qui est augmenté. Avant, là, on faisait ça à 3 500 et maintenant, on faisait ça à 5 000 francs. Il y a des choses qui sont à 4 000 qui sont devenues 5 000. Il y a des choses qui sont à 3 500 qui sont devenues 4 000. Bon, l'année passée, en tout cas, je suis venue ici payer, mais ce n'était pas à ces prix-là. Donc, je suis venue, mais comme les prix ont changé, vu ce que j'ai empoché, en tout cas, moi, je ne pourrais pas acheter. Parce que d'habitude, ce que je paye là, c'est la voie du succès. Ce n'est pas à ces prix-là. Le monsieur l'a dit que, bon, eux, ils n'ont pas conçu pour le CE2. Pourtant, ce que je veux là, c'est pour le CE2. Moi, j'ai l'habitude de payer ça à moins de 1000 francs. Et ça, on me dit à 2000. Vraiment, bon. Cette année, en tout cas, les prix là, ont augmenté. Bon, puisque l'année passée, bon, c'était moins par rapport à cette année. Ils ont dit que c'est des trucs. De l'extérieur là-bas que c'est augmenté. Donc, et puis en plus la douane aussi, j'ai indiqué qu'ils ont augmenté là-bas aussi. Donc, l'année passée, nous vendions ça, le paquet là, à 3000 francs. Bon, cette année là, on ne peut pas vendre ça comme ça. Donc, c'est de 3500 à 4000 quoi. Les listes des fournitures là, on a trouvé, moi j'ai trouvé chez moi que la liste qu'on m'a donnée, les livres que je suis venu payer, bon, je suis allé, bon, ils ont dit que ce n'est pas ça. Bon, pourtant, c'est ce livre qui est marqué sur la liste de fournitures. J'ai posé la question à mon enfant. Lui m'a dit que non, que c'est le professeur qui a dit que lui n'utilise pas ces livres-là. Donc, il y a un autre livre qu'ils ont écrit sur papier pour me donner pour venir payer ça. Donc, je ne comprends pas pourquoi c'est des livres qu'on n'utilise pas, qu'on passe ça sur la liste de fournitures. Ça nous dérange. Les raisons avancées par certains libraires sont liées à la situation sécuritaire actuelle du pays. Pour d'autres, c'est l'invasion russe en Ukraine. Mais les clients, quant à eux, accusent les commerçants de toujours profiter des situations pour mieux mater les acheteurs.